Good evening, viewers. Thanks for watching tonight. Primetime Balogun newscast on Spectrum Television today, 24th of January, 2023. And here are our top stories. The Minister of Communication, Emmanuel Rene Sadi, has today paid a condolence visit to the staff of Amplitude FM, as well as established government intention for a free press in Cameroon and journalists in the economic capital, as well as throughout the National Triangle, have continued to condemn the barbaric assassination of Martinez Zogo. Tonight's newscast shines a spotlight on the press's opinion. And in sports, the Intermediate Lions are tonight locking horns with Niger to pick up a qualification ticket in the ongoing African Nations Championship in Algeria. Details of that encounter in a moment. And those were our top stories. Hello, viewers. Thanks again for watching tonight's Primetime Balogun newscast, which starts tonight in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Décès de Martinez Zogo, le ministre de la Communication s'est rendu ce mardi au siège de la radio Amplitude FM à Yaoundé. Le porte-parole du gouvernement camerounais allait apporter du réconfort à la famille professionnelle du disparu, mais il a également tenu à donner la position officielle du gouvernement camerounais sur le recul des libertés au Cameroun. Je vous propose ce reportage d'Olivier Bouzique. De la presse, le 23 janvier, le ministre de la Communication s'est rendu ce mardi dans les locaux de la radio Amplitude FM pour apporter le réconfort du gouvernement aux collègues de Martinez Zogo. Nous condamnons fermement cet acte qui a été commis contre un de nos compatriotes qui était une figure emblématique dans le paysage médiatique camerounais, voire africain et international. Alors, c'est le sens de ma présence ici. Une présence aussi qui se veut une opportunité pour réconforter. Face à un recul inquiétant de la liberté de presse observée, suite au décès de plusieurs journalistes, dont Martinez Zogo ces dernières années, le ministre de la Communication donne la position du gouvernement. Le Cameroun, je l'ai également dit, est un pays de démocratie. Le chef d'État a lui-même, il y a plus de 30 ans, engagé le Cameroun sur la voie de la démocratie, restaurer les libertés et singulièrement la liberté de la presse. Et donc, pour nous, ce choix est irréversible. Le porte-parole du gouvernement annonce de nouvelles mesures pour garantir la protection des journalistes au Cameroun. Considérez ma présence ici comme l'expression de la volonté du chef de l'État, la volonté et la détermination du gouvernement à continuer de créer au Cameroun les conditions pour l'expression, l'exercice des libertés publiques et l'expression de la profession de journaliste dans des conditions de sécurité. René Manuel Sadi a par ailleurs visiter le studio à partir duquel Martinez Zogo enregistrait l'émission Embouteillage et il a réitéré les condoléances du gouvernement au moment de quitter les lieux. Et à la suite de cette visite, la directrice d'Amplitude FM s'est pour la première fois exprimée publiquement. Je vous propose de l'écouter au micro d'Olivier Bouzique. Merci déjà de me tendre vos différents micros par rapport au décès de Martinez Zogo, avec qui j'ai cheminé depuis 11 ans aujourd'hui. Vraiment, ça nous va droit au cœur, à nous, toute la famille d'Amplitude FM et surtout la grande famille de la communication. Avec ceci, avec la visite du ministre de la Communication, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls
dans cette grande lutte pour la liberté d'expression. Et nous demandons au gouvernement, à travers la voix du porte-parole du gouvernement en sa qualité de monsieur Sadi, de faire la lumière afin que justice soit rendue pour le décès, je ne sais pas, le crime, la disparition et tout de Martinez Zogo. And still in line with the assassination of radio host Martinez Zogo, the Cameroon National Syndicate for Journalists have here in the economic capital held a press conference to discuss press freedom and how to approach the death of their solemn colleague. Christelle Asexuele and Julepo. As the assassination of Martinez Zogo, radio host and director of Amplitude FM Radio in Yaoundé, gradually set in the minds of the people, media men and women of the National Syndicate of Journalists in Cameroon, SNJC, have converged today in Douala to critically look into the situation and take up action to eradicate this barbaric act from occurring to journalists. SNJC, Marion Aubin, this act of barbarism is inacceptable by the Syndicate of Journalists. SNJC condemns this barbaric act and call of the government of Cameroon to ensure that the perpetrators are brought to justice. Veteran journalist Susan Kalalobe has it that journalists should be cautious, objective, balanced and fair in the treatment of information and especially very sensitive topics like those treated by Martinez in most of his radio programs. In the case of Zogo, we don't aware of the danger in which he was. This is why we were not organized for giving an alert, because the first alert was when CNC condemned Zogo for all the complaint he was a victim, you know what I mean? But we were not suffisamment vigilant to understand that the way Zogo is doing his work and the way he's get inside a side for against another side will be very dangerous for him. We were not vigilant enough. This is why he finished by dying. At the end of this press conference, several plans of actions have been mapped out. Starting tomorrow, the day has been set aside for mourning. All journalists in the national territory will come out dressed in black to pay homage to their fallen comrade. Marion Aubin est la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun. Elle revient plus en détail sur le plan d'action que compte mener le syndicat à la suite du décès de Martinez Zogo. Je vous propose de l'écouter. Conférence de presse du syndicat national des journalistes du Cameroun avait deux objectifs. Celui de faire le point sur la situation actuelle des libertés de la presse au Cameroun et du décès de Martinez Zogo. Ensuite, présenter à la presse nationale et internationale le plan d'action de la première phase que va dérouler le syndicat national des journalistes du Cameroun dès demain. Nous allons commencer par une journée morte. Tous les travailleurs des médias et des syndicats devraient se vêtir en noir pour aller travailler. Ensuite, nous avons des séances de travail prévues avec le ministre de la Communication, de la Justice, le DGSN et le CED pour avoir effectivement la garantie sur la protection des journalistes au Cameroun dans l'exercice de leur métier. Nous avons ensuite une séance de travail avec l'exécutif régional du SNJC dans les 10 régions du Cameroun pour travailler sur les actions que nous allons mener sur le terrain dès cette fin de semaine. On va travailler sur un protocole qui représente toutes les difficultés rencontrées par les médias et pour aller s'assurer auprès de l'autorité régionale de ce que la protection des journalistes est effective. Nous avons eu une première séance de travail hier avec la Fédération internationale des journalistes du Cameroun. Vous savez que le SNJC est membre de la FIJ sur la question du plaidoyer sur le plan international sur la mise sur pied d'une plateforme de travail pour que la vérité soit faite. Nous allons également, nous demandons au gouvernement de créer une plateforme qui est une commission indépendante pour que la justice soit faite sur ces questions. Une vie d'un homme, une vie d'un homme de médias a été prise dans des conditions troubles par des personnes bien identifiées.
et nous demandons que la justice soit rendue, la justice soit faite. Et avec l'assassinat de Martinez Zogo, la rédaction de Spectrum Télévision fait un zoom ce soir sur les cas de disparition des journalistes camerounais dont les enquêtes n'ont pas toujours fait l'unanimité. Entre autres affaires, Wazizi Samuel, mais également Jules Koumkoum ou même encore Bibi Ngota. C'est un reportage d'Inès Pangan. Il est le premier journaliste à mourir au Cameroun dans l'exercice de ses fonctions depuis 1992. Germain Cyril Ngota Ngota, plus connu sous le nom de Bibi Ngota, directeur du journal Cameroun Express, décède en prison le 22 avril 2010. Le rapport officiel indique qu'il est mort de suite de complications liées au VIH. Mais sa veuve nie cette affirmation et sa famille demande une enquête. Le frère cadet du journaliste estime qu'il a été torturé. Des mauvais traitements qui ont contribué à fragiliser l'homme déjà malade. Le conteste. Bibi Ngota est brièvement interpellé en début février 2010 par la Direction générale des affaires extérieures, DGRE. Il est par la suite arrêté par la police judiciaire et écroué à la prison de Yaoundé le 10 mars 2010. Il lui est reproché d'avoir imité la signature de Laurent Esso, alors secrétaire général à la présidence de la République. Une année après ce drame, Jules Koumkoum rend l'âme à la sortie sud de Yaoundé dans un accident de circulation. Le véhicule du directeur de publication de Le Jeune Observateur et correspondant au Cameroun de Reporters sans frontières est violemment percuté ce 4 novembre 2011 par un grumier. Le journaliste avait fait plusieurs publications sur la grande richesse du MINDEF de l'époque. Lui, il meurt en prison après 10 mois de détention à Yaoundé. Samuel Ajeka Aboué Di Wazizi est un reporter d'images et présentateur d'une émission à Chilen Music Television, une chaîne régionale privée installée dans la ville de Bouya, région du Sud-Ouest. Arrêté à Bouya en août 2019, Wazizi est soupçonné de complicité et d'intelligence avec les séparatistes. Il est ensuite détenu au secret et transféré à Yaoundé. Pendant des mois, sa famille est sans nouvelles de lui. C'est le 2 juin 2020 qu'un média annonce sa mort à la suite de sévices corporels et l'armée confirme sa mort en détention. Aucun corps n'est remis à la famille pour des obsèques. En rappel, le Cameroun occupe le 118e rang sur 180 dans le classement 2022 sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Et les journalistes espèrent justement que les résultats de l'enquête ouverte sur le décès de Martinez Zogo rétabliront la vérité des faits, pas comme ce fut le cas avec les affaires Samuel Wazizi, Jules Koumkoum ou même encore Bibi Ngota. Je vous propose d'écouter Hilaire Amokwe, Suzanne Kalalobé et Alex Gustave Azébazé au micro d'Inès Pangan. L'assassinat de Martinez Zogo est un assassinat de trop. Et cet assassinat nous fait véritablement sortir de nos gonds. Pourquoi ? Parce que cet assassinat se présente au moment où nous nous interrogions sur les cas précédents. Il y a eu le cas Jules Koumkoum, qui jusqu'aujourd'hui reste ténébreux. Et il y a eu le cas de Samuel Wazizi, où nous avons eu à faire des plaidoyers, où nous avons fait même des manifestations publiques pour que véritablement la vérité soit faite. Et que jusqu'aujourd'hui, la vérité est toujours cachée. On ne sait exactement pas ce qui se passe. Je me rappelle qu'aucun dossier d'assassinat n'a abouti. D'abord parce qu'il aurait fallu qu'on soit constant et qu'on établisse qu'il y a eu l'assassinat. Je ne sais pas si vous vous rappelez du fameux Koumkoum mort. On a dit que c'était un accident de la route. Après, il n'y a plus le devoir de suivi. Donc il n'y a pas eu de dossier qui a abouti, tellement je crois que nous n'étions pas conscients de la nasse dans laquelle nous nageons et dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure des enjeux, des conflits d'intérêts et les risques que l'on prend à vouloir prendre position pour un camp ou pour un autre. De mémoire de journaliste, au moins depuis 1992-11 que j'exerce, je n'ai pas souvenance que
dans un cas ayant mis en cause la sécurité des journalistes, les enquêtes officielles aient abouti à un résultat probant. Bon, peut-être que les gens diront le résultat probant du point de vue des acteurs et leaders médiatiques comme nous, c'est le résultat qui satisfasse les professionnels ou les journalistes. Et que pensent les Camerounais du décès de Martinez Zogo? Je vous propose de les écouter. Ah, c'est un crime, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas exactement qui, mais les autorités peuvent faire les enquêtes. On sait de quoi, ce qui s'est passé. C'est ce que moi je pense. Non, on a abusé sur les réseaux sociaux comme tout le monde, non? Bon, je ne vais pas mentir. Chaque année, on assiste à des pareilles situations. Bon, ça est l'avènement des réseaux sociaux que c'est un peu plus répandu et maintenant ça choque la population. Mais pour vrai dire, je ne vais pas dire qu'on est habitué, mais ce sont des faits qui se passent fréquemment. Bon, j'ai appris sa mort de manière normale comme tout Camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois à travers les réseaux sociaux et par la suite sur des plateaux de télévision. Bon, bien évidemment, en tant que personne humaine, ça m'a tellement choqué, ça m'a tellement fait mal de voir comment une personne à part entière peut être tuée aussi brutalement. Ça fait mal parce qu'avoir rien que les images, c'est tellement choquant. C'est tellement choquant parce qu'on se demande que jusqu'où va la cruauté humaine. Comment est-ce qu'un père de famille, un responsable, un journaliste peut être assassiné de la sorte? Donc c'est vraiment choquant pour l'opinion publique. C'est un sentiment de... Je suis sincèrement choqué par rapport à cet assassinat parce que c'est un crime parmi d'autres crimes que nous connaissons dans ce pays. Mais je pense que quel que soit l'acte que quelqu'un aurait fait, il ne mérite pas qu'on lui ôte la vie et pas de cette manière-là. Donc vraiment, nous, on exhorte que le gouvernement fasse tout et tout pour nous éclairer l'opinion sur les circonstances de cette mort-là. Et que ceux qui ont posé cet acte-là, qu'ils soient vraiment traduits devant les juridictions. Un assassinat de trop. Parce que vraiment, comme le disait mon cher frère là, faut pas que le gouvernement laisse ça tomber. Il faut qu'on fasse tout et tout vraiment pour trouver les bourreaux. Parce que là, c'est vraiment inhumain. De la manière où vraiment tout le monde a appris ça, on est tous abattus. Parce que ça, c'est hors du comportement humain. Loin de ce dossier, le ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Djoumessi a présidé ce jour l'ouverture des travaux de la conférence annuelle de ses services à l'école des Travaux publics de Yaoundé. Selon le MINTP, en 2023, son ministère suivra le plan de bitumage des routes tel que prescrit par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Olivier Bouzique. À la suite du message du chef de l'État à la Nation le 31 décembre dernier, dans lequel Paul Biya avait annoncé le bitumage des 700 km de route en fin d'année 2023, le ministre des Travaux publics en fait l'une des grandes priorités pour la feuille de route. Au cours de la conférence annuelle de ses services, il a invité ses collaborateurs à se mobiliser pour l'atteinte de cet objectif. Pour son émergence, à travers l'industrialisation et l'amélioration de la production, le Cameroun se doit d'offrir un réseau routier autoroutier compétitif et davantage de densifier les voies de desserte des bassins de production et d'exploitation. Ces voies de liaison ou de desserte doivent être viables. C'est l'engagement politique de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, que de développer et de moderniser les infrastructures routières. Nous devons conséquemment travailler à concrétiser cet engagement. Pour ce faire, ces réflexions entre cadres et experts portent globalement sur les défis des résultats escomptés, étant l'un des problèmes majeurs auxquels l'exécution des travaux publics est souvent confrontée sur le terrain. Le ministre des Marchés publics, invité d'honneur aux échanges, est intervenu pour éclairer certaines zones d'ombre. Les travaux s'achèveront le 25 janvier par l'adoption des recommandations et la remise des vœux au ministre des Travaux publics.
Politique, on parle de l'élection sénatoriale à venir pour dire que des membres du conseil électoral étaient ce 24 janvier dans la capitale économique du Cameroun. Objectif, assurer le suivi des préparatifs de cette élection. Reportage, Oriane Danquin et Nono Fautué. Vérifier le fichier actualisé du collège électoral, visiter et apprécier l'accessibilité des centres et bureaux de vote retenus. Procéder à l'inventaire du matériel électoral disponible dans les démembrements territoriaux. Ce sont entre autres objectifs de la descente du 24 janvier 2023 des membres du conseil électoral. Il faut d'abord vous dire que nous avons voulu dire un mot sur les élections qui vont venir sénatoriales. Mais en même temps, on est allé au-delà des sénatoriales pour parler des élections, mais de l'éducation élective, de l'éducation et électorale, c'est-à-dire deux partenaires, les électeurs qui doivent s'inscrire en masse, retirer leur carte et aller voter. Et s'agissant justement des cartes électorales pas produites depuis 2020, des solutions pour leur fabrication conséquente sont trouvées. Effectivement, nous avons une machine qui était en panne, mais maintenant on a trouvé ce prototype de machine, il y en a un ici à Douala. On cherche deux ou trois autres pour pouvoir éditer 500 cartes par jour. Et bientôt, nous allons acheter ces machines-là. Mais en disant que même si vous n'avez pas de carte, vous êtes inscrit le jour des élections, présentez-vous à votre bureau de vote, vous trouverez votre nom là et vous allez voter avec votre carte nationale d'identité. Pour le membre du Conseil, certains partis politiques sont particulièrement actifs sur le terrain. J'ai eu à féliciter certains partis politiques, je ne répéterai pas ici, mais il y a certains partis politiques qui sont sur le terrain, qui ont un programme électoral et qui font en sorte que les gens s'inscrivent massivement. Ça, on a parlé de ça. Le professeur Titi Noël et son équipe se sont entretenus avec les acteurs du processus électoral locaux à la délégation régionale d'élections Cameroun pour le littoral. Question d'assurer le suivi des préparatifs de l'élection des sénateurs prévue le 12 mars prochain. Crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le pays désavoue le Canada dans le processus de paix. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a signé un communiqué pour se désolidariser de l'annonce de l'implication de ce pays dans la résolution de la crise qui perdure. Pourtant, le gouvernement canadien maintient qu'il y aura des pourparlers de paix. Pour Elimbi Lobel, le promoteur de la plateforme Kautal, le Canada ne peut prétendre connaître le Cameroun mieux que les Camerounais. Je vous propose de l'écouter. Hier, c'était les États-Unis avec des gens comme Thibault Nagy, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le Canada. Demain, ce sera qui? Et il y a une tendance dans le monde qui est que certains acteurs politiques de certains pays peut-être se rongent les doigts et veulent se donner du travail en allant mettre leur nez dans toutes les affaires, y compris celles qui, de par les pays mis en cause, les concernent le moins possible. Notre histoire politique avec le Canada n'ouvre pas beaucoup de perspectives au Canada pour être un interlocuteur. C'est de ça qu'il est réellement question. On ne refuse pas que le Canada, s'il pense qu'il peut apporter une solution. Mais il ne faut pas que les gens essayent d'envisager pour le Cameroun des modèles qui sont les leurs. Nous, on n'a pas cherché à régler le problème du Québec au Canada. Et le Cameroun a les moyens de régler la crise anglophone. Pour peu que les acteurs compromis dans cette crise-là ne soient pas des agents de ces pays qui viennent prétendre régler les problèmes. La guerre en Ukraine doit nous enseigner que valent réellement tous ces discours et ces médiations supposées internationales développées par des pays qui pensent que nous, tout le monde entier doit être à leur remorque.
And this morning in the economic capital, several filling stations depict fuel shortage as cars and commercial bikes could be spotted standing in long queues. Christelle Asekwele with details. Several filling stations in the economic capital city are experiencing a shortage in fuel. Long queues of vehicles, bikes, taxis, and other individuals holding cans in their hands. Outburst of voices and other arguments is the scenario witnessed in most filling stations in the economic capital city of Cameroon, Douala. At this filling station in Akwa, the filling station attendant tells us off cameras that they are not quite sure about the reason for this shortage. For this motorbike rider and taxi driver, they do not understand the reason for this shortage. I don't understand the reason for the shortage. Plus, the people concerned are reserved on the issue. So we are just trying to go around and see where we can find fuel. This situation has been going on for 3 days, and fortunately for me, I always fill up my tank. Now it's about half tank. However, the effects of the shortage of fuel can be seen in the endless hours of waiting for a ride to go about the day. Nonetheless, this is not the first time the population of Douala is experiencing this shortage in fuel. As less than 2 months ago, it was the same situation. And it is with that report that we draw the curtains on tonight's newscast. We reiterate that the Intermediate Lions encounter with Niger is still holding at a goalless draw. Good night and see you tomorrow. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.